Bon, coucou, suite à un petit problème de micro, du coup, je peux vous reprendre. Et du coup, cette lessive-là, bon, maintenant que je peux vous parler, c'est qu'elle ne sent pas très fort, mais elle a l'air efficace. Elle a l'air, j'ai bien dit. On va voir sur le... On va voir une fois que tout est terminé, ce que ça dit. Je vais rincer le bac. Parce que comme je n'ai pas de pression d'eau dans cette merde, alors du coup, voilà. Alors du coup, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. Je le fais un petit peu en retard, mais c'est normal, il fait chaud, je suis fatigué. Alors du coup, voilà. Il y a un setback net.
ici va l'air plutôt efficace. Parce que la première fois que j'avais pris il y a très longtemps, c'était de la merde. Et du coup, je regarde, il y a un azur optique. Et l'azur optique, c'est ce qui défait des taches et qui redonne quelques couleurs. Et il y a un blanchissant oxygéné, ce qui est très bien pour le blanc, puisque ça va réaviver les couleurs blancs et tout ça. Bon, elle est très bien. Le grain, il est... Putain, la merde. Le grain est assez fin. Elle n'a pas d'odeur vraiment particulière. L'odeur est très, 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 très fin. Elle a beaucoup... Enfin, quand je l'ai mis dans le truc pour essayer de le dissoudre, bon, il reste encore quelques grains. Avec les cours bubble, bon, il ne doit plus rien avoir. Les petites chaussettes qui sont encore coincées, saloperie. Une lessive qui se rince assez vite et du coup ce que j'ai pas trop compris c'est au prélavage elle ne moussait pas et au lavage elle a moussé. Bon d'accord. Voilà, lessive EcoPlus est adaptée, tout type de textile grâce à la formule, avec des tachons intégrés, mini, alors fini les taches tenaces, maintenant, bon, les 30 degrés, c'est sûr à ne pas faire. Or laine, cachemire et soie, ce qui est tout à fait normal, il faut la liquide. Petite modification de ma sortie avec une double sortie, lave-linge, lave-vaisselle. Bon, je vous reprends dès qu'elle a fini, je vous reprends. A de suite. Bon, voilà, l'eau est fumante. Et du coup, on va essayer la dissolution. On va voir avec de l'eau bouillante ce que ça donne. Alors vous pouvez voir que c'est brûlant. L'odeur n'est pas ouf, ça sent plus le savon qu'autre chose. Mais on sent que c'est vraiment du premier prix, hein. Aucune odeur, enfin l'odeur est vraiment très très discrète, c'est pas vraiment des odeurs de ouf. Voilà, ça laisse des traces, regardez, un résidu des cils. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup de résidus de lessive. Elle ne se dissout pas vraiment correctement. Alors ça veut dire même à 40 degrés, ça va pas être vraiment folichon. Elle a déjà détaché, on va dire, elle a déjà détaché rapide. En lavage, ça devrait être une formalité. Alors, je vais se refroidir. Et on va voir dans le fond ce que ça dit. Bon, il reste une très 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 fine pellicule. Voilà, il reste quand même une très très fine pellicule et c'est cette pellicule là qui n'est pas terrible. Puisque ça va se mettre partout et du coup quand ça va refroidir, ça va en fait encrasser votre machine prématurément. Ça c'est sûr et certain, cette lessive là. Une maison de retraite l'utiliser, ça je me rappellerai toujours, utiliser ce genre de lessive là au premier prix et les machines étaient tellement blancs que ça faisait une couche d'au moins presque moins d'un centimètre, mais il y avait au moins 0,5 millimètre d'épaisseur, c'était vraiment horrible.
Alors du coup, je peux vous dire que c'était pas la joie et le bonheur. Regardez, il s'en va tout seul. Les joies du dessus qui ne sont pas équilibrées, du coup tout tremble et tout tombe. Allez, à de suite pour le résultat final. Bon voilà, linge propre, ma chemise, plus une tache. Bon, c'est relativement propre. Petit pantalon. Bon, la tache elle est toujours restée. Du coup, il faudra quand même un pré-détachage. Mais autrement, dans l'ensemble, bon voilà, pour ceux qui n'ont pas d'argent, qui est vraiment dans la merde, ça reste en fait une lessive qui peut être entre guillemets correcte comparée à celui que j'avais essayé il y a quelques années de ça. Du coup, bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Mon pantalon. Voilà, mon pantalon, lui, il était assez sale. C'est pour ça que je fais toujours en fait un rapide avant. Pour vraiment retirer le. Bon, après, c'est pas sale de saleté quoi que ce soit, c'est plutôt la transpiration et tout ça quoi. Mais voilà quoi. Celui-là, j'avais une petite tache. Voilà, j'avais une petite tache, mais il n'y a plus rien. Alors, du coup, bon, mais lessive assez concluant pour les personnes qui n'ont pas d'argent. Allez, d'ici là, dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt.